Bon, salut tout le monde. Course of CP, course officielle, donc Kunos, Bandage, Aston Martin V8, un temps pas bon, une piste froide, dépression aléatoire, je sais plus tout ce que ça donnait, qualif de merde, je suis 20 et quelques yèmes, donc genre avant-dernier quoi. Avant-avant-dernier, antépénultième, c'est un peu la classe, ça me permet de passer ce mois-là. Je suis un peu perdu dans ma strat. J'avoue, je sais pas du tout ce que ça a donné, je sens que j'aurai des pneus trop froids. Voilà, peut-être je peux faire un truc au niveau de ça, on va fermer un peu tout ça, hop. Puis on va voir ce que ça a donné, mais j'y crois pas beaucoup. Je suis un peu circonspect pour tout dire. Pour une reprise, j'aurais préféré un truc plus simple au niveau stratégie. Où j'ai mal lu, en plus je me suis entraîné sur Laguna Seca pensant que c'était ça, mais en fait c'était Brands Hatch. Me demandez pas pourquoi. Et chaleur, chaleur. CO2 28. Ouais, ça va être bizarre. Pourquoi mes ça ils sont 9 les 3? Alors, on va mettre les 5. Ils sont sûrs qu'ils sont 9. Pourquoi il me met la 26? C'est con lui. Ah. Ouais, hop. Ok, donc c'est là 1. Oh putain, back. Back, drive. C'était chaud. Tires, stress high, tac tac tac, je respecte, non. On va y pas. Hop. Et on va voir ce que ça donne. J'y crois absolument pas. Lumière, lumière, lumière. Et feu de pluie. Je sens que mes pneus vont être gelés. Là, je m'étais fait piner ma place. J'ai l'impression que on va vers la nuit, je vais pas regarder l'heure. Il est 8. Oh, il est 8h, on va vers la nuit. Je vais avoir les pneus sous-gonflés, ça va être affreux. Semble se geler. J'essaie de monter un peu de chaleur dedans, mais bon là ça surchauffe par contre là. Pour ceux qui se demandent, je suis en slick hein, bien évidemment. Est-ce que c'est la bonne option? J'en ai aucune idée. Probablement pas. Ça recourt sur ce mot en fil. On remonte un peu le TC, LABS. Surtout le TC pour démarrer. Let's go, let's go!
Ah l'autre ça il a pas démarré du tout quoi. Oui, bien. C'est typique le mec s'est trompé de map moteur ça. C'est la place à tout le monde. Oh, c'est 45 minutes, c'est long. Il y a déjà du monde au tas. Bon, on a remonté quelques voitures, mais... On va voir si on tient le coup, parce qu'on n'a pas fait un tour, hein. On fait 3 virages. C'est un coup à finir avec des crevaisons, ça. D'admirer la feature de la version 1.4, les étincelles. Bon, on lui sort des œufs. C'est encore bien mouillé. Ce qui est rassurant, c'est que ça doit arrêter de pleuvoir. Bien basse cette Porsche devant nous, des étincelles de partout. Oh, j'ai hésité à mettre le gaz, j'aurais pas dû. Est-ce qu'il va oser y aller? Heureusement pour moi non. Bon, la trajectoire sèche c'était plutôt bon signe. Ça sèche vite mais je pense que la plupart des gens sont partis slick. Choisir quand on va au stand. Ah, les pneus commencent à chauffer, c'est plutôt bon ça. J'espère qu'ils vont pas trop chauffer avec mes écopes de frein fermées. Alors que la nuit tombe sur Brandzatch. Thank you.
J'étais derrière les deux Porsche, donc j'ai pas perdu tant de temps que ça. Ouf, il fallait me faire avoir au même endroit. C'est juste de l'intox. Ça va marcher. Ça c'est pas moi que les pneus pas bien gonflés. Ça reste encore moins bien gonflé. Faudra que j'arrive à aller me faire monter un peu en pression quand même. Je vais laisser un peu le TC. Ouais, on monte 13. Une 33 devant. Faut continuer sur ce rythme. C'est le freinage tardif, ça a l'air de passer. J'ai fait ma qualif en slick, je pense que c'était là mon erreur. Devant c'est parti, je ressemble à lui peut-être hein, parce que je remonte vite quand même. Attends, t'es culotté de passer là. Alors, on gagne du temps à chaque tour, les pneus commencent vraiment à rentrer en tempête. J'espère que je suis pas allé trop dans les pressions. Est-ce que la classe BM l'emmerde un peu? Non, on perdra pas. Ah, il a voulu mettre... Il a vu que je m'étais planté, il a voulu mettre les gaz tôt pour me prendre. Et puis du coup, il a surviré, il a spiné. Fait mon affaire, mais je pense qu'à un moment donné on va
être en délicatesse avec lui. J'espère qu'il est patient. L'erreur classique quand quelqu'un fait une erreur devant nous, c'est de se précipiter ou alors de faire la même erreur. On fait la même souvent. Parce qu'on a tendance à suivre ce qui se passe devant. Bon, on les remonte, hein, si on fait pas des cons, on est devant. Hein. Attends, comment ça va vraiment tomber là? Oh là, putain, trop en piste. Il est clairement en pleine pluie. Des pneus d'agonie, je pense. Bon, top 10, au bout d'un quart d'heure. Oh, c'est pas bon. Ouais, merde, putain, je suis toujours le con. Regarde pas le chrono, bordel de merde, tu le sais ça. Bon, je crois que ma voiture va faire des appels de phare. À chaque fois je fais le con, je regarde au mauvais moment et c'est cette ligne droite, on peut regarder, c'est tout.
Bon, si ça va pas, je m'arrête. Bon, on va voir si c'était la bonne stratégie. Vais pas réparer la voiture, je pense que ça devrait aller. Bon, arrêt était pas trop mal, je pense. Mandatory stop is not clear. Let's go, 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 go. Je pense que c'est mon ami en Porsche de tout à l'heure, lui. Il aura plus clair dans quelques... Ah, maintenant il met un message quand on... Quand on passe les track limites et qu'on gagne pas de temps. Alors vu que tout le monde a pas ravitaillé, je m'en fous des drapeaux bleus. Je vais absolument pas le laisser passer. Sûr, on n'a rien à faire. Bon, il va laisser passer. Il est passé tout seul comme un grand, presque. Eh mon gars. Tu veux me doubler, tu me doubles propre, c'est toi. Allez, va au stand. Tu vas t'éteindre le cerf. Sortir quand j'étais entré avec des pressions un peu hautes. Pour aller allègrement sans lui voir, histoire de crever les pneus. Je sais que je me prends une mine. Falling behind in the car in front in sector 3. Well done, mate. Your fastest lap so far. We are halfway through. Keep it up. Ouais, rate la corde aussi. Ah, j'ai peur qu'un croissant s'envole.
Allez, on est quoi? 12e, c'est pas mal. On est beaucoup plus rapide que devant. Enfin, c'était peut-être l'effet des pneus neufs. Hein. Que je pense pas que les gens voient mes feux clignoter, donc je veux pas les embêter avec ça. Ça se resserre devant. À cause de mon aéro défectueux devant. J'ai peut-être pas du tout de temps d'ailleurs, peut-être un peu. Regardez, je ne comprendrai pas. J'ai hâte de suivre cette trajectoire. Ce virage là je suis pas bon du tout. Comme 12 secondes à part, c'est quand même pas mal. Bon, même que je perde quand même un peu de temps. C'est un peu long. Hein. Faut que j'en mette un peu plus là.
plafonne un peu en 27 là. Maigre espoir de top 10, c'est que ça bouchonne devant et qu'il y a une petite bagarre quand même. J'ai du mal à rattraper donc. Ouais, qu'il y a une belle bagarre pour perdre 3 secondes comme ça. C'est plus rapide que moi. Bien sûr, oublie de passer à la vitesse. Faites les erreurs devant les gars, laissez-moi une petite chance. J'ai l'impression que c'est pas ma guerre. Je suis passé en plus. Je suis en temps de merde. Je suis toujours trop tôt, putain. C'est loin derrière, moi à gauche je veux dire. Je finis de mourir là. C'est pas un temps monstre.
Oh là là. Ok, track limit si tu veux. Ça se rapproche derrière. C'est un temps qu'on n'avait pas vu ça. Ça pouvait pas durer. Ça va faire la bagarre devant. Ça, c'est sûr que je perds du temps. Il y a tellement moins de rue plus vite que ce que je fais.
Allez, du vert, 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 du vert. Juste pour le plaisir personnel de faire un peu mieux. J'aurais pas cru que ça passerait, on sent un peu ça. C'est un peu jardinage land. Le problème d'une course comme celle-là, c'est que ça me donne envie d'en faire une autre. Parce qu'il y avait vraiment moyen de le faire. C'est dû être un semblant de pression ou un nettoie. Ce sera peut-être pas le dernier tour d'ailleurs. Allez pour le fun.
J'ai aucune chance de doubler la loyale. Je peux juste l'inciter à faire une erreur. Ah non, la part, je crois pas. Ah, trop... Ah, c'est dommage. La course était avancée. Ouais, bien joué. Je suis déçu, mais c'était quand même bien sympa. Cool, je peux livrer le serveur quand je veux. Replay. Save. Ah, c'est bon, je me suis retiré. Leaderboard. Ouais. 12. 11. 11. Ça va être par là, je pense. La fin du tour, faut que je me prends un tour. Je pense que c'est là. Ah ouais. Ah non, quoi. Dommage, Eliane. My bad. Bon allez, merci pour ceux qui ont regardé, moi je me suis bien amusé, j'espère faire mieux la prochaine fois, mais je devrais en faire plus souvent, mais c'est un peu compliqué. Donc normalement je devrais être en train de préparer le moment là. Alors je vais peut-être y aller, ciao ciao.